Il est quelle heure, on parle de quoi? Il est 20h59 et on a enfin ouvert une boutique. C'est-à-dire qu'il y en a certains parmi vous qui nous demandent depuis un an et des patates c'est quand qu'il y a du merch, 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 c'est quand qu'il y a du merch. Eh bah écoutez, on est le 5 octobre 2024 et c'est bon, il y a du merch. Putain de merde. Donc du coup, voilà, c'est ce que je vous disais en intro. Dorénavant, si vous voulez nous soutenir financièrement et tout, et en plus de ça, avoir un truc bah du coup en échange, hein, bien évidemment, on a ouvert une boutique Spreadshirt et tout. On va vous la montrer, bien évidemment. Pour l'instant, il n'y a que deux designs parce que j'avais pas envie de surplomber le truc. J'en ai préparé une quinzaine, donc autant te dire que oh putain, va y avoir des nouveautés assez souvent, on va pas se mentir. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, il faut que je remercie Pulco. Parce que, bah, du coup, quand j'ai vu ce qu'il avait fait par rapport à Chromaclos, je suis allé voir le noble PELKO et j'ai fait « Ouais, je le sens. C'est compliqué de faire une boutique Spreadshirt ?» Il m'a regardé, il m'a fait « Non, c'est juste chiant. » « D'accord. Mais c'est pas compliqué. » Il m'a fait « Non, non, c'est juste chiant. » « D'accord. Bah vas-y, let's go, hein, on a qu'à faire ça, hein, du coup. » Donc, du coup, je vous présente... bah, alors, du coup, ça, c'est un screen, hein, bien évidemment. Mais je vous présente, du coup, la boutique Spreadshirt Chasel Store, hein, bien évidemment. Elle n'est pas encore ajoutée au bot, elle n'est pas encore ajoutée au Linktree, elle n'est pas encore ajoutée au lien et toutes ces conneries. Ça viendra, je l'ai activé. En train de l'ajouter à mon stream deck. Oh, t'es un génie. Je l'ai activé, mais genre 45 minutes avant le début du pré-roll. Donc, ah non, une heure avant le début du pré-roll. Donc, du coup, c'est un peu un lancement en... Comment ça s'appelle ? En trombe et pas du tout organisé, bien évidemment. Du coup, voilà. J'ai balancé l'adresse, ça y est. J'ai balancé l'adresse ? Oui, tu peux balancer l'adresse, ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, c'est actif, il y a déjà eu des commandes et tout le bordel. Et avant qu'on me demande, oui, il y a des tasses, du coup. Bien évidemment, il y a des tasses. En parlant, non mais putain, Pliscan, tu vas pas commencer à me casser les couilles avec les MP, bordel de merde. Je suis en capsule et l'autre, il me dit, oui, bah, tu peux aller checker tes MP. Non, ta gueule. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non mais surtout, en plus pour ça, et putain, Pliscan, casse pas les couilles. Mais donc, du coup... Donc du coup, la boutique est ouverte, bien évidemment, et tout. Vous la trouvez sur cette adresse, si vous allez dessus, et tout. Waouh, c'est fantastique, c'est fabuleux, et tout. Bon, pour l'instant, il y a Petkan qui demande des items Chasel Hub, déjà. Alors, on va pas faire de trucs Chasel Hub. Parce qu'en fait, tu vois, jouer sur une parodie de logo, t'es tranquille. Vendre quelque chose avec une partie d'un logo copyrighté, c'en est une autre. Par exemple, Pulco, il a été très intelligent. Lui, il a supprimé le hub et il a mis Chroma Close. C'est pour ça qu'en soi, il aura pas de problème. Moi, si je mets Chisel Hub et que je dis « Vas-y les gars, on vend !» Non, ça va aller en fait. La flemme de me prendre la tête avec, comment ça s'appelle, les avocats de Pornhub. C'est la grosse flemme. Oui, non. Par contre, sur la boutique Spreadshirt, vous pouvez customiser vos fringues avant de les acheter. Si vous voulez vous rajouter une image personnalisée et puis vous faire un truc avec Chasel Hub, vous pouvez. Mais ça rajoute au prix, évidemment. Ouais, c'est des frais supplémentaires et tout le bordel, quoi. Mais donc, du coup, non, arrêtez de me demander si on va vendre des items Chasel Hub. Enfin, légalement, c'est pas valable. Enfin, c'est pas viable. Donc, du coup, pour l'instant, vous avez deux comment ça s'appelle de design, oui, j'allais dire coloris, mais non, pas du tout. Il y a bien plus de coloris que noir ou quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, vous pouvez choisir les couleurs et tout. Mais du coup, pour l'instant, vous avez deux designs et tout à disposition. J'ai pas voulu surplomber le truc et tout en démarrant le machin. Donc du coup, les autres viendront au fur et à mesure et tout. Il y en a qui ont déjà spoilé des idées que j'avais. Donc du coup, là, par exemple, on avait le con de Zou qui disait il y aura un design avec comment ça s'appelle pour de vrai, je serais preneuse, mais spoil pas la future collecte, toi, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc du coup, il y a des trucs qui vont arriver, bien évidemment. Mais du coup, voilà. Alors, comme c'est le lancement de la boutique, tu vas vendre des photos de toi en mode dieu du stat. Mais pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonsoir, Jarod. Du coup, comme on vient de lancer la boutique et tout, vous avez pendant 2 semaines une remise de 25% sur l'intégralité de la boutique et tout. Et en ce moment, entre le 3 et le 8, comment s'appelle, octobre, les livraisons standards sont gratuites sur Spreadshirt. Donc du coup, à l'heure actuelle, si vous commencez à faire une commande, là par exemple ce week-end, vous payez ni frais de livraison et vous avez 25% de réduction. Voilà, quelque part, c'est pas mal. Et je tenais à dire juste un truc. La première commande que l'un d'entre vous a passée, c'était une tasse.
vous êtes des génies. Vous êtes des putains de génies. Alors depuis, il y a eu d'autres commandes, j'ai pas eu le temps de checker et tout. Merci à toutes ceux qui font des commandes. Avant que vous me demandiez combien je touche et toutes ces conneries, je ne sais pas encore. Je sais pas encore. C'est comme les prix, par exemple. Pour l'instant, j'ai pas trouvé comment on pouvait les changer, tu vois. Parce qu'il y a certains items, je les trouve un peu chers, j'aimerais bien les baisser, tu vois. Donc, mais pour l'instant, je suis un newbie. Je demanderai des conseils au noble PULKO et tout quand j'aurai un peu de temps. Mais du coup, voilà. C'était pour vous tenir au courant et tout. Dorénavant, si vous voulez nous aider financièrement et avoir un petit item, en contrepartie, vous pouvez toujours passer par le merchandising. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, donc du coup, je me permets de d'y répondre et tout. Où sont fabriqués ces goodies? Tu les vends à l'international ou seulement en France? Alors, c'est pas moi qui fais les stocks, c'est pas moi qui fais l'impression et tout. On n'a pas pour l'instant la logistique pour faire ça. C'est Spreadshirt qui fait ça. Donc du coup, il faut que tu ailles voir sur le site de Spreadshirt pour voir si vous pouvez vous faire livrer en Suisse, en Belgique, au Québec et tout. Je ne peux pas répondre à cette question là pour l'instant. Ils te payent au design. D'accord, super. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, donc du coup, je me permets d'y répondre aussi ici. Onigeek, le collectionneur, disait « Qu'est-ce qui t'aide le plus? Un achat sur le site ou un don PayPal ?» Je vais pas vous mentir, hein, si le but c'est de nous aider juste financièrement, le don PayPal nous aide bien plus qu'une commission sur Cookies ou qu'un pourcentage sur Spreadshirt. Maintenant, je dois vous avouer que les dons, généralement, c'est pour remercier du contenu qu'on fait. Donc du coup, quelque part, vous avez déjà une contrepartie. Maintenant, si vous pouvez avoir une double contrepartie en achetant du merch, je pense que c'est peut-être mieux pour vous, tu vois. Mais de quoi? Ça va peut-être finir avec l'eau de ta douche en vente? Mais non, mais jamais de la vie, apéro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonsoir apéro, bonsoir Jean-Gavroche, bonsoir Elsa, bonsoir Christa. Un design m'amené exactement. Du coup, voilà, c'était pour vous tenir au courant et tout. Comme d'habitude, hein, c'est bien beau de nous soutenir, mais vous foutez pas dans la merde financièrement, s'il vous plaît. Je suis avec un streamer, donc du coup, ne vous permettez que des dons ou des achats sur la boutique uniquement si vous pouvez. En fait, vous foutez pas dans la merde financièrement pour moi. Merci bien. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, combien l'algorithme nous vient sur Kick ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix, ou sur Spotify pour les musiques, ou sur Spreadshirt, du coup, pour le merchandising. Waouh, putain, on va pouvoir ajouter ça à la fin des trucs, faut que j'y pense vraiment. Mon cher Mad, un commentaire? Oui, bah il était temps, j'ai envie de dire. Oh putain, il faut qu'on vous raconte comment ça va être. Cette idée de merchandising, si je compte Rodka dans l'équation, Rodka m'en parle depuis 2021, ma mère m'en parle depuis mi-2022, et l'équipe, je crois qu'on en parle depuis 8-9 mois, quoi. C'est juste, j'ai une latence de bâtard pour certains trucs. Donc du coup, alors je vais être honnête avec vous, moi je voulais pas l'ouvrir en dessous des 10K. Dans le sens où je trouvais ça relativement prétentieux de se dire, on a 3K et tout, le mec qui fait du merch et tout. Le truc qui a pas aidé, c'est que vous avez réclamé ça, mais pendant quasiment un an. En mode, oui, c'est quand qu'il y a du merch, oui, c'est quand qu'il y a... J'en ai encore vu un qui demandait, c'est quand qu'il y a une peluche. Ça va demander un peu plus de temps, la peluche, tu veux, parce que, enfin, la peluche, moi, j'ai un design en tête, tu veux, la grosse flemme de passer par un truc genre Spreadshirt ou quoi que ce soit. Mais donc, du coup, comment ça s'appelle? De mon côté, ça date de 2017. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, mais enfin, nous, en 2017, on n'était pas sur Internet. J'attends le bol raton. Pareil, il va arriver, le bol raton. Laisse-moi juste un peu de temps, si tu veux. Ouais, le ping de zinzin, bonsoir à toi Marculin. Mais donc du coup voilà, c'était un projet de longue date et tout, que je voulais pas précipiter parce que enfin j'en voyais pas la nécessité et tout. Vous auriez pas demandé ça durant toute l'année, je pense que j'aurais encore attendu un an. Mais du coup, voilà, des cadeaux. Une tasse de deux pour les Pokémon que Zio t'a fait rater. Je vais pas utiliser des designs de Pokémon pour vendre des tasses. On en revient au même problème qu'utiliser le logo de Pornhub. Je vais pas me foutre. En plus, Nintendo, quoi, les frères, quoi. C'est peut-être Pornhub, au début, ils vont s'en foutre, tu veux. Mais alors, Nintendo, frère, ils vont jump dessus, quoi. Bonsoir Gwenardel, bonsoir Nicolas, bonsoir Mike et bonsoir Midnightus. C'est quand qu'il y a Zublu? Calmez-vous. J'ai voulu commencer la boutique avec deux designs seulement pour pas que ce soit surplombé et tout le bordel. Je vais essayer de faire, à mon avis, un ajout de design par mois, histoire que bah il y a des nouveautés sur la truc et tout le bordel, si tu veux. Du coup voilà, ça viendra avec le temps et tout, que ce soit les tu sais comme tu veux et tout le bordel, enfin les mimiques de merde que j'ai et tout, vous inquiétez pas, ça va être sur des t-shirts aussi. C'est juste,
je veux pas balancer tout d'un coup. C'est, je préfère qu'on y aille au compte-goutte et tout, et que au pire, et bah, en soi, si les designs là pour l'instant, vous plaisent pas, ne faites pas d'achat. Hein. C'est attendez et tout, y a pas de souci et tout. Et je comprends que certains peuvent juger ça en mode, et c'est relativement simpliste là pour l'instant. Ouais, je voulais commencer par un truc simple avant de partir en couille totalement. Vous me connaissez. C'est, compare K3. À KVA pour comprendre un peu ce qui va se passer sur la boutique, tu vois. C'est, au début, c'est tout mignon, c'est de la pop gentillette et tout. Et puis après, bah, c'est le bordel sans nom, quoi. Du coup, et merci pour la personne qui vient de faire une commande pendant qu'on est en train de parler. Je vais pas balancer de nom. Parce que du coup, en fait, il n'y a pas vos pseudos, il y a vos noms, quoi, directement, quoi. Du coup, on est bon. Comment je fais pour couper cette merde ? Le bouton rouge. Et merci bien.